Bienvenue dans un des plus beaux sites de la vallée. Nous sommes ici à Charamillon et on échappe à ce côté binaire de la vallée de Cham, c'est-à-dire soit je suis au versant sud, soit je suis au versant nord. Ici, en fait, on est tout au bout et on voit les deux versants et on voit tout Chamonix et on a une des plus belles vues sur le Mont Blanc. C'est dans cet endroit magique que va jouer maintenant un magicien, un pianiste qui vient des Balkans, un pianiste qui a su allier à sa culture classique et jazz les épices de son pays, un pianiste qui est un tout petit peu déjanté aussi, mais d'une folie comme on aime particulièrement, nous ici, à la montagne, qui sommes aussi irradiés par les rayons cosmiques et par le granit, Boyan Z. Place à la folie de Boyan Z. A tout de suite. C'est à la fois du jazz où on retrouve un peu de traditionnel, mais surtout beaucoup d'imagination, beaucoup d'invention, beaucoup de la modernité, tout en étant toujours dans l'esprit du jazz. C'est étonnant de mélanger les voix, les instruments, tout en respectant la tradition du jazz. Alors le Cosmo Jazz 2013, eh ben, je pense que c'est une bonne cuvée. Voilà, si vous voulez mon avis, c'est une bonne cuvée. Les sites sont magnifiques, les musiques sont... Voilà, c'est magique. C'est assez magique, évidemment, parce que c'est une idée vraiment très originale et super, dans un cadre grandiose. Ce matin, j'ai vraiment adoré.
J'ai trouvé ça déjà tout à fait adapté au décor, au cadre, puis c'est tout à fait le genre de jazz que j'aime, donc c'est... En plus, j'ai trouvé très très bon. C'est la quatrième année, c'est une très très bonne idée, là. Ça fait trois ans qu'on vient systématiquement sur presque tous les concerts, et c'est vraiment très très bien. Bah franchement, je pense que c'est l'un des endroits les plus magnifiques dans lesquels j'ai eu la chance de jouer. Je peux même pas dire dans lequel, parce que j'étais pas dedans, j'étais sûr, tu vois, sur quelque chose. Donc c'est magnifique, franchement. Waouh! Non, surtout pas. Ne venez, non. Si vous n'aimez pas des belles choses, venez pas. N'est-ce pas? Si, bien sûr. Ça, c'est pas une recommandation, c'est une. Si, pour des gens qui ne viennent pas, ils vont rater quelque chose d'énorme. Et surtout de très beau.